mais ça rigole pas. Hein. Oui, non, Là, l'échappement, il est c'est beaucoup du très plus. très lourd. Par rapport à la 570 S, il est beaucoup plus costaud, il est magnifique. Hein. Oui, c'est vraiment deux voitures totalement différentes. Elles se rejoignent dans la philosophie McLaren, à savoir les moteurs avec les turbos, le côté léger, Ouais. efficace. Ouais. C'est là-dessus que ça se rejoint, mais là c'est encore. Ah oui, non, mais c'est sûr que c'est notre monde, c'est là les plus axés Là, c'est un cran course. bien au-dessus. Là, c'est vraiment quasiment NP1. Enfin, Ouais, c'est clair qu'elle est belle. En il y a plus, elle pas est. beaucoup d'écart entre les performances du NP1 et cette voiture. Hein, quand vous regardez bien. Vous voulez un café, du sucre ou pas, Sans monsieur? sucre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà la 675 LT de chez l'art de l'automobile. Et on voit tout de suite que là, c'est plus pareil par rapport à la 570 S. C'est plus axé race. On voit tout en carbone. Regardez ça. Le spoiler. Tout carbone. Là, il a option derrière aussi. Tout carbone sur le pare-choc. Très très belle. Très 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 belle. La couleur grise est vraiment magnifique. Hein. La vue sur le. Ici, sur le V8. 8 V8 biturbo que vous connaissez bien puisque c'est le même sur toute la lignée 540C, 570S, 650S, 675 LT. Ici il fait évidemment 675 chevaux, mais je suis sûr que si je le passe sur un banc comme sur la mienne, ça monte un peu plus. Ça doit monter autour des 600, je pense, 700 pardon, chevaux. Celui-là, c'est une spéciale opération, comme vous pouvez le voir, MSO chez McLaren. On voit qu'elle est numérotée. 675 LT, numéro 351. On voit que le propriétaire a super bien configuré, puisqu'on voit la couleur des étriers. Et en même temps, on voit l'intérieur qui rappelle les étriers en orange. C'est vraiment magnifique. Superbe. L'intérieur aussi. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. C'est très axé, hein. Très pur. Alcantara partout. Pas de cuir ici. S'il y a du surpiquage cuir, il y a du surpiquage aussi. On voit aussi de l'orange. Que du carbone sur le volant. Sur la centrale avec l'ordinateur. C'est une merveille. Très très belle voiture. Pareil devant, bouclier avant. Tout en carbone. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est une œuvre d'art, cette voiture. Mais c'est surtout une bête d'efficacité.